de la lumière. On voit que vous, d'ailleurs. C'est bien. Voilà. Donc, je les remercie. Ça fait 2 ans que vous venez. Ça fait 3 prestations, 4 prestations. On vous apprécie. On vous aime parce que vous êtes belles. Et. Ah oui, mais bon. Oh. Oh. Tiens, il y a des belles femmes. Faut leur dire qu'elles sont belles. Voilà. C'est ça comme ça. La vie, c'est ça. Voilà. Merci. Et puis, à bientôt. Hein? L'école est tellement décriée par toutes parts, et je pense que vous connaissez tous, par rapport à tout ce qu'on peut dire sur nous, quel est le meilleur des travaux dans nos pays développés. C'est tout simplement celui de l'autre, parce que l'autre, il est toujours mieux, il est toujours plus tranquille, il est mieux payé, il a plus facilement des vacances. On ne sait pas ce qu'il fait, mais ça ne fait rien. L'autre, il est toujours mieux. Et le monde agricole fait partie de... Je ne veux pas dire que tous les métiers sont à mettre de côté, mais disons que le monde agricole fait partie de ces métiers qui sont quand même indispensables. Si on veut tremper la tartine dans le café le matin, et ben ça commence là et ainsi de suite. Donc oui, il y a de la jeunesse, c'est très bien. Il y a du monde agricole dans plein de domaines parce que c'est très varié. Et le commissaire agricole fait partie aussi de ces quelques fêtes, il y en a plusieurs, mais de ces quelques fêtes qui arrivent à réunir tout un canton, toute une zone. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Voilà. On a souvent des grandes fêtes dans certains endroits, mais elles ont tendance à regrouper plus ou moins les gens d'un lieu. Tandis que là, c'est vraiment la manifestation qui fait que, ben voilà, ça se passe dans la bonne humeur, ça se passe dans la bonne ambiance, et puis que ça dure. Même s'il y a moins en moins de vaches. Alors par rapport au palmarès, on va y arriver, c'est un petit peu comme les Jeux Olympiques l'année prochaine à Paris, ou alors pas au même niveau bien sûr, mais ou tout simplement les championnats du monde. J'en parle parce qu'il y a la famille Robert Michon qui est là, mais ben c'est normal, il y a toujours un petit peu la suprématie de celui qui est devant, de celui qui se place mieux. Et en vache, vous, pour une partie des gens qui voyaient ça de l'extérieur, une vache est une vache. Nous, une vache, c'est une vache. C'est-à-dire que comme nous, elles sont toutes uniques, c'est-à-dire qu'elles ont toutes leur tempérament, leur gabarit, leur façon de faire, leur manière. Et quand on est éleveur, on s'aperçoit de ça plus ou moins tous les jours. C'est le petit passage.
Thank you.